Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 27 mai 2021, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le prix des épinettes, deuxième course de la Réunion 1, où 15 galopeurs âgés de 3 ans uniquement en découdront aux alentours de 17h30. Changeons totalement de sujet après le quintet pour trotteurs disputé la veille au Croisé-la-Roche. Ici, à Longchamp, sur le tracé des 2100 mètres de la moyenne piste avec une arrivée jugée au deuxième poteau, il risque d'y avoir bagarre tout au long de la dernière ligne droite entre nos jeunes compétiteurs se tenant de très près au papier strict. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Wedelsi. Ce pensionnaire d'André Fabre sera logiquement monté par Stéphane Pasquier, puisqu'il porte la casaque de la famille Niarchos. D'une belle régularité dans l'ensemble et cherchant sa victoire de handicap, il peut la trouver aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 3, Friendly Face. Lui aussi est entraîné par Monsieur Fabre et sera monté par Vincent Cheminot, qui le connaît sur le bout des doigts. Pour ses débuts dans les handicaps, théoriquement, il doit lutter pour l'une des trois premières places. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Blackjack Duhoulet. Il sera monté par un Grégory Benoît, trustant les victoires dans les quintés plus depuis le début de l'année. N'étant jamais sorti des 5 premiers depuis le début de sa carrière, il est une belle base quintés plus avant coup. En quatrième position viendra le numéro 8, Lavandier. Monté par un Christophe Soumillon retrouvant des couleurs actuellement, il peut confirmer sa récente sixième place obtenue à ce niveau sur l'hippodrome de Chantilly. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Shadow. Cette femelle de 3 ans, fille d'Anodin, porte la casaque des frères Vertemer. D'une belle régularité dans l'ensemble, si elle est bien lunée et dispose d'un bon parcours avec le 2 dans les stalles, elle peut briller. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 13, Pont Mirabeau. Christiane Demureau sera en selle sur ce protégé de Didier Guillemin qui porte la casaque Augustin Normand. Pour ses débuts dans les handicaps, il peut viser la gagne. En avant-dernier choix, le numéro 7, Collingham. Il se présente pour la première fois dans les handicaps avec la confiance de la famille Vermeulen qui espère tout simplement le voir terminer dans les 5 premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 16, Grasse Bay. Pour ses débuts dans les handicaps, il a le plus petit poids de la course et compte bien profiter de sa forme pour truster une belle place à l'arrivée. En cas de non partant, le numéro 5, Ferno Boy, qui porte une casaque souvent en réussite dans les événements, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi après-midi, Turf Sélection brille en donnant tiercé dans l'ordre de 269 euros, le quartet dans le désordre de 143 euros, ainsi que le quintet, toujours dans le désordre, de 345 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.